Yo tout le monde, c'est Kazuo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale car aujourd'hui je tourne la vidéo FAQ avec toutes les réponses qui sont donc ici, donc voilà. Si je vous voyais, j'arrête pas de dire, donc faut vraiment que j'arrête de le dire parce que j'ai remarqué ça dans les autres vidéos, j'arrête pas de le dire. Alors du coup, il va falloir que, vous inquiétez pas si je regarde donc l'ordinateur, évidemment c'est pour lire les questions. J'essaierai de trouver une petite astuce donc pour pour vous mettre les questions donc en bas de l'écran. Je vais essayer de faire un screenshot et tout, je viens de débrouiller. Vous avez vu, j'ai mis le beau t-shirt là que j'ai eu dans la woodbox. voilà. Donc du coup c'est parti, on va commencer donc avec le. Il faut vraiment que j'arrête, c'est vraiment casse-pied. Avec la première abonnée, donc c'est de Poké Paradise. Alors. Donc déjà bravo pour les 100 abos, bah merci, et d'ailleurs je vous remercie vraiment tous car alors qu'il est où je tourne la vidéo là tout de suite, on a dépassé évidemment les 100, hein, les 100 abonnés, on est déjà rendu aux 113, donc vraiment merci, un grand merci à tous. Voilà, il y en a qui vont dire ouais de toute façon 100 tu parles c'est pas beaucoup, regarde certains comme je sais pas Vixem ou j'en sais rien, Cyprien et tout ça, tout tralala. Oui mais bon, au bout d'un moment, enfin tout au début, quand ils ont commencé, ils ont forcément passé la barre des 100 abonnés. Voilà, c'est comme tout le monde. Donc voilà, je suis quand même content. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ouais c'est pas beaucoup et tout, je m'en fous. Je suis quand même content de mes 113 abonnés. Et voilà, je vous remercie de vous être abonnés et voilà. Alors du coup donc voilà, merci pour les 100 abonnés. Ensuite, c'est qui ton Pokémon préféré? Alors mon Pokémon préféré, je sais pas. Moi je sais pas si c'est vraiment, on peut dire, préféré, mais la famille de Pokémon, donc avec les évolutions, ma famille préférée, c'est la famille de, je vous mettrai les Pokémon en dessous, la famille de Grenousse, Croporal et Amphinobi. C'est vraiment mes préférés, et on va dire aussi en comptant Sachanobi. C'est vraiment mes 3 préférés, mes 4 préférés. Mais vraiment de tous ceux qui existent jusqu'à maintenant. Et si je devais vraiment choisir un des 3, entre les trois je choisirais Grenousse parce qu'il a vraiment un petit côté, enfin une grenouille toute kawaii, toute mignonne. Et ouais, ça serait entre les 4, ouais, en comptant Sachanobi, ça serait vraiment, ouais, ça serait Grenousse que je choisirais. Mais sinon, famille préférée, ouais, c'est toute la famille de Grenousse, Croporal, Amphinobi et Sachanobi. Ensuite, question de Loïc Kloskiné. On pourrait faire une partie ensemble sur Battlefront? Si oui, mon pseudo sur PS4 c'est Loïc Glef. Bravo pour les 100 abos, continue. Et ben déjà merci. Et merci à toi. Et puis ben, sinon pour la partie Battlefront, ben, déjà je t'ajouterai ben, sur le PSN. Y'a aucun souci. Aucun sushi dans le pâté. ouais donc je t'ajouterai sur le PSN. Et sinon pour Battlefront, faut juste que je ressorte un petit peu le jeu parce qu'en ce moment je l'ai un petit peu laissé de côté. Je suis surtout sur du Call of là en ce moment. Et ouais, surtout sur du Call of. Ouais. Mais sinon ouais, faut. Oui pourquoi pas. Après si t'as d'autres jeux. Si aussi sur du Minecraft. Si t'as du Minecraft. Et d'ailleurs si vous regardez la vidéo pour la première fois, ou même la deuxième ou la troisième fois, on s'en fout. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez une PS4 ou que vous connaissez quelqu'un qui recherche du monde pour faire des vidéos sur soit du Call of ou du Minecraft, j'aimerais beaucoup en faire, surtout du Minecraft, en refaire sur la chaîne. Et évidemment en multi parce qu'en solo c'est long. Perso je sais que des fois j'ai regardé des vidéos de youtubeurs qui jouaient seul et tout et je trouvais vraiment long. Et c'est sûr que c'est beaucoup mieux quand c'est à deux, quand il y a l'ambiance et tout, c'est mieux. Même pour du Call of, hein. Et du Call of, on pourrait faire des best-of, des trucs sympas, Minecraft, on pourrait faire des mini-jeux, des maps spéciales, quoi, ça pourrait être cool. Même si tu as je sais pas si c'est compatible PS4, PS3. Je sais pas, dites-le-moi dans les commentaires si c'est compatible, j'en ai aucune idée. Parce que je veux que sur les PS3, il y a les maps spéciales, style, je sais pas, Pixar ou Star Wars. Mais vraiment Star Wars, vraiment bien fait quoi. On pourrait se faire des PVP, des trucs comme ça.
Non, du coup, pour répondre à ta question, oui, pourquoi pas refaire du Battlefront. Puis il faut vraiment que je pense à t'ajouter aussi sur la PS4. Alors ensuite, Happy Game, bravo, donc ça c'est mon frangin, si vous voulez aller voir, merci déjà, si vous voulez aller voir sa chaîne, bah allez-y. Ensuite, ça va être la question de, on va remonter un peu, la question de, alors, ta tête me dit quelque chose, on ne s'y aurait pas déjà vu, de Matt85. Très marrant. C'est un pote à moi qui non, vous l'avez pas vu dans les vidéos. Si, Matt, c'est Mathis. Vous l'avez vu dans les vidéos. Enfin, je sais pas si vous avez vu dans les vidéos bullying, celui qui fait que des spikes. C'est lui, le petit machin là. Le petit machin qui a envie de gifler à chaque fois qu'il nous fait un strike. Ouais, voilà, donc c'est lui. Donc évidemment, t'as déjà vu ma tête. Question de Arc 1999, donc un pote aussi à moi qui avait joué, on avait fait deux, enfin trois parties, parce que j'ai mis que deux parties sur ma chaîne, de ma série Minecraft sur PS Vita. Donc je vous conseille d'aller voir, on a trouvé l'Under Portail en combien de temps? En deux vidéos. Au bout de la deuxième vidéo, à ma première vidéo que vous verrez, à la fin de la vidéo, on a déjà trouvé le portail. Et troisième vidéo, on bat le dragon de l'Ender. Donc comme ça, hop là, vite fait, bien fait. Non, ouais, on était tombé complètement dessus par... Voilà, je recommence. J'étais tombé dessus complètement au hasard. Puis voilà, du coup, là, on voulait faire une série assez longue, à peu près une bonne dizaine d'épisodes, sinon un peu plus. Puis au final, ça fait que 3 épisodes de son côté, puis 2 de la mienne. Alors ensuite, question d'Amonix Gamer. Donc un pote, ouais, qui habite pas très très loin de chez moi, qui est aussi youtubeur, allez voir sa chaîne. Il fait des vidéos gaming un peu dans le même style que moi. Il fait beaucoup de Clash Royale, je sais pas si vous aimez bien. Tu mets tes vidéos en ligne sur une tablette portable ou un ordinateur? Alors moi, tu vois, c'est sur le PC là que j'ai en face de moi, avec le logiciel, j'utilise comme logiciel, c'est pas posé mais en même temps je vais le dire. J'utilise quoi déjà? Sony Vegas Pro 13. Donc beaucoup de youtubeurs utilisent ce logiciel. Maintenant il y a aussi Adobe Flash Player, je crois que c'est le nom. Mais jamais réussi à l'installer. Donc du coup, j'utilise Sony Vegas Pro 13, mais il y a beaucoup de bugs. Il est bien, il est complet, mais par contre, les bugs, c'est horrible. Enfin, de mon côté, après, je sais, j'en connais plusieurs, pareil, ils ont des bugs à ce niveau-là. Ensuite, ouais, donc voilà, donc sur ordinateur que je mets en ligne. Ensuite, question de Louis Berthaud. Je sais que je peux te poser cette question sur la Play, mais est-ce que tu vas refaire des vidéos sur des jeux de guerre rien que pour voir ton skill? Sinon, bravo pour tes 100 abonnés. Alors, merci pour les 100 abonnés. Et pour revoir mon skill, tu parles. J'ai un sacré skill, mais pas un skill exceptionnel non plus. Enfin bon. Donc, du coup, je voyais la question, est-ce que tu vas faire des vidéos? Ben oui. Tout de suite, je sais pas, mais oui, je compte refaire des vidéos sur des jeux de guerre. Alors, il y a Overwatch qui est sorti, par contre je pourrais pas l'acheter tout de suite, peut-être le mois prochain, et je comptais faire des vidéos dessus. Sinon je comptais faire du Call of Duty, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du Black Ops 3, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, envoyez-moi vos PS7 pour qu'on fasse des parties, je vous en supplie, parce que j'ai pas envie de tourner tout seul. Et voilà, parce que c'est vrai, même moi de mon côté, jouer tout seul comme ça, c'est long quoi. Enfin bon. Donc voilà, et pourquoi pas du Star Wars Battlefront, j'ai pas vraiment pensé. C'est vraiment pas sûr pour ce jeu là. C'est peut-être pour des petits best-of, mais c'est vraiment pas sûr. Mais plus sur du Black Ops, ouais. Puis peut-être Overwatch à venir, mais ce sera pas tout de suite. Alors ensuite, question de Bertoli. On sait que tu es très doué en hip-hop, et à quand une petite démo? Alors ça c'est une fille qui faisait du hip-hop avec moi avant. Je sais pas si vous avez forcément vu dans ma première vidéo. J'ai mis deux vidéos corées de mon gala de hip-hop. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas, je fais du hip-hop, voilà. Je fais pas du foot comme certains. Non, moi c'est du hip-hop.
Et à quand une petite démo? Ouais, je sais pas, hein. Déjà, je pense il y a le gars là qui va arriver à le 25 juin. Le 25 juin, il y a mon gars là. Je pensais faire encore pour les derniers petits entraînements. Faire un sort de mini vlog, quoi, histoire de montrer comment ça se passe. Puis je voulais filmer aussi les coulisses du côté du jour du spectacle, et puis je vous aurais mis aussi la vidéo du spectacle, comme ça vous auriez vu un petit peu. Puis après, tout au début, quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai pensé faire des vidéos où justement je... Non, je sais pas du tout ce que je veux dire. Mais si, je voulais faire des vidéos où je faisais des décorés comme ça à l'improviste, sauf que je sais pas, j'ai abandonné, je voulais vraiment faire que sur du gaming, enfin l'univers gaming, pas spécialement comme du gaming, mais l'envie. Mais comment dire. Sur le style gaming, voilà, en gros, donc comme ce que je suis en ce moment, quoi, sur des jeux, sur des unboxing, des trucs comme ça. Tout l'univers gaming, quoi. Donc voilà pour la réponse. Ensuite, non, ça c'est une autre vidéo. Parce que là je suis dans la liste de commentaires. Alors ensuite, donc encore Amonix Gamer. Pour le prochain unboxing, pourquoi pas faire une petite high-tech box, et combien ça coûte une loot box, et tu pourrais faire du CSGO? Alors déjà il y a beaucoup de questions. Alors pour le prochain unboxing, pourquoi pas faire une petite high-tech box? Pour l'instant, je sais pas trop. Pour l'instant je vais rester sur du loot box. High-tech box, j'ai regardé des vidéos dessus, je trouve que comparé à la Woodbox, les cadeaux, je sais pas, ils me bottent moins. Attends, c'était quelle box? Je sais plus si c'est la high-tech. J'ai vu une box qui m'intéresse bien, je compte faire des vidéos dessus, mais je sais plus du tout le nom. Par contre, ce sera pas ce mois-ci, hein, parce que la box, elle coûte la peau des fesses. Mais je pense qu'on va faire deux unboxings sur une box spéciale. Mais après je sais plus si c'est la high tech box, donc je pourrais pas te dire, désolé. Ensuite, combien ça coûte une woodbox? Si tu en prends qu'une seule, si tu prends qu'une seule woodbox, si je me trompe pas, c'est 20€. Si je me trompe pas. Et puis après t'as des abonnements de 3 mois, 6 mois et 12 mois. Attends, il y a 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois, voilà. 1 mois, 3 mois et 6 mois et 12 mois. Puis après ça monte en fonction de ton abonnement. Comme là j'ai mon abonnement de quoi, de 6 mois, non de 3 mois, c'est à 62€ pour un abonnement de 3 mois. Et dans une boîte t'as l'équivalent de 40€ de cadeau. Puis pour combien? Pour 12 mois, je sais plus combien que c'est, ça doit être 100€ ou un truc comme ça. Mais tu vois, pour moi les 6 mois, ils ont fait... Non, mais non, je suis à compte. Pour les 3 mois, non, oui, mais non, non, normal, j'ai rien dit. J'allais dire, rentrer dans des explications complètement abracadabrant. Je dis jamais ça. Complètement farfelu. Mais non, c'est bien, ouais. 72 ou 75€, je crois que je paye par tous les 3 mois. Et ensuite, tu pourrais faire du CSGO. Alors du CSGO, je voulais vraiment, vraiment, vraiment en faire. Parce que j'y joue quand ça marche. Je voulais vraiment en faire. Mais j'ai pas pu. Parce que, en fait, vous voyez ce petit PC? Ce joli petit PC. Logiquement, il n'est pas fait pour jouer au game. Donc en fait, le truc, c'est que quand je veux jouer à Garry's Mod ou CSGO, le jeu plante, messieurs, dames. Le jeu plante. Ouais, il fait que de laguer, mais c'est juste horrible, injouable. Donc du coup, je voudrais me prendre un PC spécial gamer, parce que ça attendra un petit peu, parce que j'ai, avec la voiture et tous les autres trucs que j'ai à payer, ça risque d'être un peu just. Donc du coup, pour le CSGO, je voulais vraiment en faire, mais pour l'instant, ça sera pas possible. Et du coup, voilà pour CSGO. Et tu pourrais... Ah oui, encore une question de Amonix Gamer. Et tu pourrais dire, c'est quoi ton objet préféré à la fin? Ah oui, à la fin des unboxings. Ouais, pourquoi pas. Faut que j'y pense au moment de tourner la vidéo, mais ouais, pourquoi pas. Dans la dernière woodbox que j'ai ouverte,
C'était laquelle déjà? C'était anniversaire. J'irai. Bah évidemment, le t-shirt c'est toujours ce qu'on préfère, mais sans compter le t-shirt, admettons. C'était la petite peluche tout kawaii de Groot. Et j'ai trouvé trop mignonne. J'aurais préféré avoir Rocket, le carton laveur. Mais je sais pas, je le trouve vachement mignon. J'aime beaucoup. Oui, il y en a qui vont dire, ouais, je te dis avant. Et tout, t'as encore des peluches. Oui, et bah je m'en fous. Et puis non, j'ai que celle-là. Toutes les autres sont rangées. J'ai même rangé mon Pikachu. Ensuite, après. Je sais plus ce que j'ai répondu. Alors, au cas où, sinon je ferai un montage. Question de Arc 1999. Ouais, non, voilà, j'ai même pas posé la question. Je vous ai parlé de lui, mais. Non, je vous ai même pas posé la question. Désolé, mon vieux de Arc 1999. Donc, mon pote de Minecraft, je vous ai expliqué le truc, j'ai même pas posé la question. Pourquoi as-tu commencé les vidéos FAQ? Pourquoi as-tu commencé les vidéos? Alors, là on va rentrer dans les réponses compliquées. Pourquoi j'ai commencé la vidéo? Bah déjà, j'ai toujours aimé le gaming. Enfin le gaming. J'ai toujours aimé les jeux vidéo, l'univers jeux vidéo, les dessins animés, tout tralala. J'ai toujours aimé ça. Puis même je me rappelle quand j'étais tout petit j'avais. Je sais pas où j'ai mise. La vieille Game Boy Color, mais moi elle est en noir et blanc. Et en plus, t'as la console, enfin la console, je fais gros machin, mais non, c'est la petite Game Boy, là. Comme ça. Elle était transparente, donc du coup, tu voyais tout le mécanisme à l'intérieur, elle était trop pétante. Mais avec les cartouches, les premières versions Pokémon et tout, les vieux Mario, les vieux Kirby, j'avais ça, et déjà à l'époque, je jouais à fond dessus, surtout Pokémon jaune là, rouge et or que j'avais. Et ceux-là, j'ai passé un temps fou dessus. J'avais même le roi lion, je crois, dessus. Et donc déjà tout petit, ça j'aimais bien ça. Puis au fur et à mesure que j'y grandis, je regardais souvent des vidéos de youtubeurs sur les jeux vidéo et tout ça. Puis à force de regarder, ça me donnait envie de faire pareil qu'eux, de faire partager ma passion comme eux, ils font avec nous. Oui, si, voilà. Comme eux, ils font avec nous. Puis, désolé, je me frotte l'œil. Mais donc je voulais vraiment faire comme eux. Puis je sais pas, j'avais pas mon appareil photo, donc là avec ce que je vous filme, j'avais aucun matériel, j'avais rien, j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas de console à part ma vieille Game Boy, et si après j'ai eu ma DS, la DS Lite. J'avais aucune console, ensuite évidemment j'ai eu la Wii, etc. Mais ouais, j'avais aucune console, du coup je savais pas. Du coup je m'y mettais pas quoi. Puis le jour où j'ai commencé à avoir des consoles, j'ai essayé de me motiver un petit peu plus, donc j'ai créé ma chaîne en été, en août, donc il y a bientôt un an maintenant, et bientôt deux ans, qu'est-ce que je raconte, bientôt deux ans, puis non du coup, non je sais plus ce que je disais, oui donc j'ai créé ma chaîne, puis j'ai, au moment de créer ma chaîne j'étais motivé et tout, puis après je suis complètement retombé. Puis je me suis dit, allez hop, je commence à bosser, donc j'ai commencé à gagner d'argent, donc je me suis acheté cet appareil photo. Puis du coup j'ai commencé à tourner vers septembre environ. Puis c'est la personne, on va dire, qui m'a donné envie de. Qui m'a vraiment reboosté pour tourner une vidéo. C'est, je sais pas si vous le connaissez, il fait un petit peu le même style de vidéo que moi. Il est plus sur du Nintendo, du Link et tout ça. C'est BBTM. Alors si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Il est vraiment vraiment super. BBTM et Cinéa. Après c'est la chaîne de BBTM. Mais voilà, c'est Cinéa. D'ailleurs si tu regardes, je sais que j'ai une amie qui je pense va regarder la vidéo. Donc si jamais tu. Non tu le verras peut-être pas. Mais si jamais tu y reparles, passe lui le coucou de ma part. Et ouais, donc il est vraiment super super sympa. J'ai jamais rencontré, je lui ai parlé quelques fois sur YouTube, sur Twitter, quand il répondait, parce qu'il doit avoir beaucoup, il y a beaucoup d'abonnés, donc il doit avoir beaucoup de tweets et tout ça, je sais c'est chaud pour répondre. Moi pour l'instant j'ai pas encore trop ce problème, et donc j'espère beaucoup de le voir à Japan Expo, et oui car je vais à Japan Expo, mais je ferai une petite vidéo annonce pour expliquer tout ça en détail.
Ouais, je ferai une petite... J'irai à Japan Expo, mais j'y vais... Lui, en général, il y va le samedi. Le samedi, donc là, c'est sur le samedi combien ? Samedi 9 juin. Mais moi, je pourrais pas y aller le samedi, j'y serai le vendredi. Donc j'espère... On sait jamais, j'espère qu'il ira le vendredi. Au moins, je puisse se rencontrer. Puis sinon, tant pis. Et sinon, ouais, donc c'est vraiment lui, c'est vraiment ce youtubeur qui m'a vraiment motivé. Après, j'ai commencé à regarder les vidéos de Chelsea Skyheart, tu tombais dessus, ils ont fait des vidéos IRL, j'ai commencé à regarder. Puis après, ils faisaient des vidéos gaming, enfin, ils en faisaient déjà avant, mais après, j'ai commencé les vidéos gaming à les regarder. Puis vraiment, eux aussi, après, ils m'ont vraiment boosté pour les faire, mais celui qui a vraiment commencé, c'est vraiment BillBTM. Et pour ça, je te remercie. Même si tu es pour rien, hein. Je suis sûr que t'en as plein d'autres que t'as motivé, mais tu sais pas si tu es pour rien. Enfin bon, voilà. C'est grâce à toi que je me suis lancé sur YouTube. Puis ensuite, après, il y a des potes qui ont voulu suivre, qui auraient voulu faire ça. Puis en regardant mes vidéos, ça les a motivés. Puis voilà. Donc, du coup, je crois que c'est bon. On a fait le tour pour ces questions. Pour cette FAQ. Écoutez, je vous remercie de tous vous être abonnés, de me suivre depuis tout ce temps sur la chaîne. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire ? Merci aussi d'avoir posé toutes ces questions. Parce que si j'avais eu que 3 questions, ça aurait fait vide dans la vidéo FAQ. Et ça aurait été un petit peu embêtant. Mais du coup, je vous remercie aussi pour ça. N'hésitez pas donc du coup à vous abonner à la chaîne, à partager si vous voulez, si vous aimez bien cette chaîne et si vous voulez la faire partager à vos proches, à vos amis, votre famille, je sais pas qui vous voulez. N'hésitez pas à la partager, à en parler. N'hésitez pas aussi à lâcher des commentaires, à appuyer sur un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé. Et puis à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Snapchat, Twitter. Instagram, je sais plus si j'ai mis. Je sais plus. Mais gros, ouais, surtout Facebook, Twitter et Snapchat. De toute façon, c'est dans la description. Tout est là-dedans. Et puis, du coup, sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous remercie encore tous de vous être abonnés. Et sur ce, ciao ciao tout le monde! Je voulais aussi annoncer. On va dire une mauvaise nouvelle parce que. Là, alors qu'il est là, ça fait 2 jours que j'ai tourné la vidéo, donc FAQ. Et donc là, j'étais en plein montage, puis c'est et puis je viens juste de découvrir je sais pas si vous connaissez donc la chanteuse Christina Grimmi, donc là que vous voyez donc en face de vous, elle a été tuée on est le 11, bah, ce matin. Elle a été tuée ce matin. Et ou dans la nuit, je sais pas vraiment. Et en fait, ouais, elle a été tuée en plein concert. Elle était en train de signer de faire une séance d'autographe. Et donc voilà, donc je voulais juste vous annoncer, voilà, la mort de Christina. Elle avait participé à The Voice en Amérique. Elle a été dans l'équipe de Adam Levine, le chanteur de Maroon 5. Donc voilà, je voulais juste prévenir. Je sais, il y en a certains qui la connaissent, d'autres non. Et puis je voulais en parler vite fait comme ça. Je voulais pas faire une vidéo spéciale. Ouais, faire une vidéo entière dessus. Je me suis dit, tant pis, je vais faire une petite vidéo. Enfin, faire un rajout de 2-3 minutes vite fait dessus. Après la FAQ, ça plombe un peu l'ambiance, mais bon, je voulais ça me tenait à cœur de faire ça. Rendre un petit peu hommage, on va dire, à ma manière. En plus, elle avait 22 ans, quoi, c'est vraiment pas beaucoup. En plus, après son aventure The Voice, elle a été éliminée, quoi, en finale, je crois. Et parmi les 3 dernières finalistes, c'est la première à être partie. Et malheureusement, en plus, cette fille, elle avait une voix, mais juste de ouf. Elle avait une voix magnifique, elle chantait super bien. Puis voilà, encore un taré qui est venu, qui l'a tué aussi. Ouais, je sais même pas à quoi ça lui sert. À quoi ça lui a servi de faire un truc comme ça. Et donc du coup, je voulais lui rendre hommage, on va dire. Je vais pas faire
J'ai pas fait un montage comme je voulais faire au tout début. Je vais surtout mettre une voire peut-être deux, c'est pas encore sûr parce que là j'ai pas, du coup j'ai pas encore commencé le montage. Je vais sûrement sur une, je vais peut-être mettre deux chansons pour les rendre hommage, on va dire. Je suis sûr, je vais mettre sa première, la toute première chanson qu'il a fait, qu'on la connaisse, qu'elle se fasse connaître un peu, parce qu'après The Voice, malheureusement, elle n'a pas été retenue, elle a continué à faire des covers, des vidéos d'elle à chanter et tout, des vidéos sur YouTube. Elle a commencé à se faire connaître comme ça. Puis en plus, là, elle voulait sortir, elle s'apprêtait à sortir son tout premier album le 21 février, donc 2017. Donc il y a quelques chansons de son album qui sont en ligne là sur YouTube qui viennent juste d'être mises. Oui, du coup, je sais plus ce que je disais, il y a quelqu'un qui vient de passer à la maison. Mince, qu'est-ce que je disais, je sais plus. Ouais, donc en gros, si je crois que c'est ça, je vais mettre une chanson où c'est pendant l'audition de The Voice justement où elle a commencé à. C'est la première chanson où elle a vraiment commencé à se faire connaître. Vous allez voir, mais elle a juste vraiment une voix de ouf. Puis voilà, enfin, je sais pas. Franchement, je vois pas l'utilité, je sais pas, de faire ça, quoi. Même si c'est un fan, je sais pas, il faut être complètement taré, quoi. Enfin, bon. Il est taré partout maintenant. Donc, voilà, donc je vais pas faire de montage, je vais juste mettre la petite vidéo, puis. Puis voilà, je vous invite à aller voir ses autres chansons sur YouTube. Sa chaîne, je sais plus ce que c'est, je l'ai plus en tête. Mais de toute façon, vous avez juste à marquer dans la barre de recherche Christina Grimmy. Et puis forcément, vous allez voir plein de vidéos hommages et tout. Style information comme quoi elle a été tuée. Après, vous avez juste à cliquer sur chaîne. Son image, c'est une note de musique. Puis vous verrez, elle faisait des vlogs aussi, mais pas beaucoup. Après, elle faisait surtout des vidéos où elle chantait, quoi, elle faisait des covers et tout. Mais ouais, franchement, je vous invite à aller voir. C'est dommage pour elle. Elle essaye de se faire connaître, et le jour où elle va vraiment, vraiment se faire connaître, quoi, c'est le jour où elle se fait tuer. C'est bête, mais et triste à la fois. Enfin bon, voilà. Maintenant c'est fait. Je vous laisse regarder la vidéo et puis ciao ciao. Puis ouais, voilà, je vous dis j'ai rien d'autre à vous dire, quoi, voilà. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde. They say the time's supposed to heal ya, and
Yo, I'm Christina Grimmie, and this is 10 Questions. After all these years, you'd like to go over everything. They say the time's so my mom's happy. I can't
can sound like a monkey, like really good. Of course, I'm biased because they're all my friends. It's my monkey. I'm in California dreaming about who we used to be. The activities I'd like to do, there's two, bunch of jumping and skydiving. They both sound quite amazing. When you mess up live, because I've been struggling with that a few years ago, just keep going. You are a professional when you keep going. And then I've learned from that and, you know, like, coffee. A lot of times I like to say goodnight and I say some funny phrase or something like that along with the goodnight, and I like to see how people respond and all that stuff. Giant YouTuber known as Christina Grimmie, with over 3 million subscribers, very successful musical artist, has been shot today. What's your name? My name is Christina Grimmie. I have a girl. I love you, Usher. It's actually the truth. Hey guys, what's up? We're in Orlando today. Please come to the show if you live near Orlando, Florida. We are at the Plaza Live. Please come out. Bye! I love you all. Oh my gosh. That is the moment where you realize that this person could be a huge star. I mean, I really believe that. Thank you so much, Adam. Thank you.